Ce bel instrument qui est la harpe, qui est un instrument à cordes, c'est l'instrument qui a le plus de cordes. Pour cette grande harpe, qui est une harpe de concert, on a 47 cordes. C'est un instrument qui est dit polyphonique, c'est-à-dire qu'on peut jouer plusieurs sons en même temps, exactement comme le piano, le clavecin, l'orgue, et on va se servir de ses deux mains pour jouer. Alors, comme vous voyez, au départ, je vais basculer la harpe, elle est sur des pieds, et on va la basculer sur l'épaule. On va la prendre dans les bras, ce qui est quand même très agréable d'avoir comme ça un instrument qu'on va mettre dans ses bras. Et la main gauche va aller jouer vers le grave, hein, morphologiquement c'est comme ça que c'est le plus simple, et la main droite vers l'aigu. Donc la main gauche va faire l'accompagnement, et la main droite la mélodie. Jamais se repérer dans toutes ces cordes, mais en fait c'est très simple. En fait on voit qu'il y a plusieurs couleurs, on a du rouge, du noir et du blanc ou du blanc cassé. Donc on va écouter à quoi ça correspond. Voilà, je viens de jouer la gamme de Do, donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Alors tout simplement, le Do et tous les Do de la harpe sont rouges et tous les Fa sont noirs. Donc, très simplement, on sait qu'à côté du Do, y a un Ré, et en dessous du Do, il y a un Si. Donc, à peu près, je dirais, en 20 minutes, on arrive à se repérer sur les cordes. Après, on va regarder un petit peu comment on joue. Alors, je vais vous poser une petite devinette, vous allez observer. Je vais vous jouer un petit morceau qui est un morceau très connu du répertoire, et vous allez me dire si je me sers de tous mes doigts. Effectivement, on ne se sert pas du petit doigt, de l'auriculaire, parce que ben, morphologiquement, c'est pareil, il serait bien trop faible, il est trop petit aussi, et trop faible aussi, parce que finalement, pour jouer de la harpe, on a l'impression que c'est un instrument d'une grande douceur, ce qui est vrai, mais physiquement, il faut, c'est vraiment les doigts, et là, par la force du doigt, qu'on va donner la puissance du son. Donc je ne joue pas fort, je pince et j'articule mes doigts doucement au fond de la main, et si je veux jouer beaucoup plus fort, ben je vais tout simplement prendre plus d'élan et puis me servir un petit peu plus de mes muscles. Donc comme je vous disais, je vous ai joué cette fameuse cadence de Casse-Noisette qui est juste avant la valse des fleurs, que les danseuses et danseurs connaissent bien. Une partie qui est aussi très importante de la harpe, ce sont les pédales. Donc nous avons 7 pédales, comme les 7 notes de la gamme, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Voilà. Et les pédales, on va juste regarder un petit peu comment ça marche. On regarde le Do, par exemple. Donc, on arrive, avec grâce aux pédales, à serrer un petit peu les cordes et à les tendre. Donc, du coup, ça va donner un son plus aigu. Et là, j'ai détendu. Voilà. Et grâce à ça, sur chaque note avoir 3 sons différents, ce qui est aussi un des rares instruments à pouvoir avoir 3 sons sur une même note. Grâce à ces pédales, on va arriver à faire ce que tout le monde connaît sur la harpe, c'est-à-dire les glisser. Voilà. Aussi bien avoir des impressions d'eau qui coule que tout simplement un petit coup de baguette magique. Par sa
taille, la harpe est un instrument qui permet de faire beaucoup d'effets spéciaux, des sons un petit peu bizarroïdes, et du coup, ça a inspiré beaucoup de compositeurs de nos jours, en fait. Alors, on peut jouer, comme j'ai joué tout à l'heure, au milieu des cordes. Après, on peut jouer un petit peu plus bas. Voilà, ça donne un effet tout à fait différent, un petit peu de luth, ou encore plus bas. Et puis après, on peut faire aussi ce qu'on appelle des sons xylophoniques. Voilà, où on va se servir de la main gauche pour étouffer les notes. Voilà, ça fait quand même des sons assez intéressants. Après, donc, on peut faire donc, tous les glisses, c'est possible, on peut les faire avec les ongles, on peut taper sur les cordes, par exemple, on peut faire des glissés de pédale, on peut faire zinguer, enfin, il y a toutes sortes de choses, parce que, encore une fois, l'instrument est grand et peut permettre de faire beaucoup d'effets. Et un effet aussi qui plaît beaucoup, souvent, c'est de parler dans la caisse de résonance. Ouhou ! Voilà, donc c'est une chose que nous faisons quand on commence la harpe, la première année, en principe, il y a un petit projet où on prend un conte, où on essaye d'inventer tout simplement une histoire et on l'illustre avec ce qu'on peut trouver comme effet, jouer normalement, mais aussi aller chercher toutes les ressources sonores de la harpe. Donc, cette recherche sera plus spécifiquement sur cette harpe qui s'appelle une harpe septique, qui est plus petite, donc évidemment plus adaptée pour les enfants. Et c'est aussi une harpe qui, comme son nom l'indique, celtique, hein, qui va être une harpe de musique traditionnelle bretonne ou irlandaise. Et le petit morceau que je vous joue sur cette harpe-là s'appelle Eilini et c'est une berceuse irlandaise.